Salut à tous, c'est Hieronymus, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez sans doute constaté, j'ai publié peu de vidéos en septembre, tout simplement parce que mon emploi du temps ces temps-ci est bouleversé. Et si le matin je me lève tôt pour écrire mes vidéos, j'ai peu de temps pour tout ce qui concerne le face à la caméra. Donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir tout doucement. Et ce qui est sûr, c'est que en début de mois, il y aura la vidéo sur un programme TV avec cette fois un retour en 1999. Et puis, tout doucement, je vais trouver mon rythme et je vous proposerai de nouvelles vidéos. En attendant, on revient avec un blind test. La dernière fois, je vous avais fait un petit blind test autour de la télévision des années 90. Et bien, je continue cette fois en vous proposant de découvrir, de retrouver des morceaux des émissions jeunesse de l'époque. Donc le principe est toujours le même. Pendant 20 secondes, vous avez l'extrait musical de ce générique avec à la suite un petit indice pour vous aider si nécessaire et la réponse. Donc il faut prendre un papier et un crayon pour noter votre score et à la fin, vous pouvez me laisser celui-ci en commentaire. Je vous dis à très bientôt et en attendant, amusez-vous bien. Salut! Tous tes amis avec Robin des Bois, Sonic, Homer et Dan le fils de l'étoile. Cha cha cha, mais surtout n'oublie pas, non! Wilma! Papa Ferrat!
Salut, bonjour, c'est Giga. Dis-moi donc un peu qui, à quoi y'a qui? Ici, y'a pas de petite fille, alors y'a qui? Ici, y'a qui? Ici, y'a pas de Yeti, et puis y'a qui? Et voilà, j'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez trouvé pas mal des réponses. D'ailleurs, laissez-moi votre score en commentaire. Et oui, il n'y avait pas le club Dorothée. Ah, c'était trop facile de le mettre. Voilà, j'espère que c'était sympa pour vous. J'en ferai d'autres, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo programme télé. Hein. Dans quelques jours, on replongera en 1999. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez aussi jeter un œil au roman que j'ai publié il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité puisqu'il se passe en 1993. Et puis, si vous voulez me soutenir, eh bien, passez sur Tipeee. Ça m'aidera notamment pour me racheter du matériel et pour financer l'abonnement annuel à mon logiciel de montage. Voilà, à très bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous et mettez bien vos masques. Salut à tous.